Bonjour. Bonjour. Oh non. Attention, la défense. Vas-y, ma chérie. Allez, Allison. Elle se débrouille bien, en foot. Oui. Oh, ils essayent tous de lui prendre le ballon. C'est pas facile pour la défense. C'est bien, Allison, c'est bien. Elle est avec Monsieur Cody, je crois. C'est bien ça? Oui. Oui, mon fils aussi. Oh, génial. Continue, Allison. J'aimerais vous parler en privé. Je travaille pour le Sun, ça ne sera pas long. Je crois que c'est important. Oh, oui, bien sûr. Si elle me voit plus, elle va pas comprendre. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Très bien, alors je vous écoute. Erika, j'écris un article. Je suis au service politique intérieur. Oh, alors, voilà, je vais publier un article demain où je révélerai, entre autres choses, que vous êtes un agent de la CIA opérationnel et aussi que vous avez été envoyé pour une mission d'inspection au Venezuela. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît, j'ai pas fini, écoutez-moi. Vous avez été envoyé au Venezuela en mission d'inspection pour déterminer si leur gouvernement avait une responsabilité dans la tentative d'assassinat du président. Vous en avez conclu que non et vous avez fait part à vos supérieurs. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Vous plaisantez, j'espère. Qu'est-ce qui me prouve que vous travaillez au Sun Times d'abord? La Maison Blanche a ignoré vos conclusions et a lancé une attaque contre une base militaire en prenant pour prétexte la tentative d'assassinat du président. J'ai été correspondante à l'intérieur pendant 5 ans. J'ai une chronique qui paraît tous les jeudis en première page. Mon fils est dans la classe de votre fille. Ça, vous l'avez déjà dit. Tous les mêmes. Oh, vous, les journalistes. Vous faites vraiment chier à la fin. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous faites ça pour atteindre mon mari. Mes sources sont extrêmement fiables. Vos sources ne sont pas fiables et vous n'êtes pas crédibles. Je suis un agent de la CIA opérationnelle. Dites à votre source que je ne sais même pas me servir d'un ordinateur. C'est n'importe quoi.